Oxygène. Oxygène. Le Zoom Montagne. Alors on va parler de championnat du monde, Arthur. Oui, puisqu'on connaîtra le candidat français le samedi 30 janvier, J-4 donc avant la désignation par la Fédération française de ski de la candidature française à la candidature à l'organisation des mondiaux de ski alpin en 2023. Chamonix, Courchevel-Méribel et Val d'Isère sont donc en piste. Et donc forcément, eh bien la pression monte dans les vallées. Après Val d'Isère en 2009 et Chamonix en 1962 et 1937, qui va l'emporter? Donc Michel Vion, le président de la FFS, et Fabien Saguez ont ces dernières semaines plusieurs fois rencontré les trois candidats. Donc les uns ont créé un comité de soutien, multiplié les annonces de travaux, et d'autres ont fait jouer notamment les réseaux pour influencer les votants. Et alors, ça s'annonce, comment ça s'annonce, serré? Ah oui, très serré, je pense. Et d'ailleurs, Michel Vion, donc le président, a annoncé que ce serait un choix très difficile car les trois marques, donc les trois villes, hein, on l'a compris, possèdent des atouts et des qualités pour organiser un tel événement international. Alors, une fois que la ville française, elle sera choisie, quand est-ce qu'on aura la réponse définitive, hein, pour savoir quelle sera la ville organisatrice des Mondiaux 2023? Alors, faudra être assez patient quand même, puisque ce sera en mai 2018 que le conseil de la FIS désignera par vote l'organisateur. Mais la France pourrait entrer en compétition donc avec l'Autriche, qui ont fait les derniers mondiaux en 2013 notamment, ainsi que la station de Salbach. Eh bah, ben, affaire à suivre, on aura l'occasion de vous en reparler sur Oxygène, évidemment.